Yo 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 l'équipe, comment allez-vous? C'est Félix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo, c'est sûr et certain que vous allez la surkiffer. Bon, en fait là je vous explique. Ouais, je regardais le montage de cette vidéo et en fait mon introduction elle était pas claire parce qu'au départ je voulais faire une vidéo une semaine dans ma vie de reseller où je vous montre un peu tout. Et au final j'utilise cette semaine dans ma vie pour également commencer un nouveau challenge, commencer le challenge de 1000 à 10 000 euros avec le resell des sneakers bien sûr. Voilà, je voulais juste vous dire ça et bien sûr n'oublie pas de t'abonner, de rejoindre la chaîne, on est déjà 3000, ça fait super plaisir, me rejoindre sur Instagram et rejoindre le Instagram de Central Montmartre. Ouais l'équipe, comment allez-vous? On se retrouve pour un épisode un peu spécial. Aujourd'hui on va faire une semaine avec moi. Du coup on va se déplacer tous les matins en store. On va vendre quelques paires, on va voir à la fin de la semaine combien est-ce qu'on aura gagné. Du coup là pour ce premier jour, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller sur les champs, sur le Nike des champs. On va voir s'il y a de la paire qui tombe. C'est vrai que c'est important d'avoir un coup groupe parce que ça peut vous donner des informations. Personnellement chez Baba Finder et Supply France, ce qui en est d'aujourd'hui et le plus souvent des fois, moi je vais directement sur les champs et après je me débrouille. Bon l'équipe, du coup j'ai préféré rentrer plutôt que de rester là-bas. En vrai de vrai ça sert à rien, t'as vu de rester. Surtout que moi j'ai des trucs à côté, t'as capté. Je fais mes 1000 euros par mois comme ça, j'ai pas besoin de plus. Le reste, tout va dans le Central Montmartre. Et surtout après je le fais, avant je le faisais pas, il y avait une petite période où je le faisais plus. Mais j'ai repris parce que je voulais faire des petites vidéos justement sur YouTube où je parlais de ça, où je montrais tu vois. Et donc là en fait qu'est-ce qu'on va faire? J'ai même pas apporté les paires à Wizonio. Là ce que je fais moi le matin, c'est que du coup j'ai cherché des paires. Après je rentre, je fais sport, un peu de lecture, mais là j'ai pas de livre, j'en ai racheté. Il y en a deux qui arrivent, c'est très important les gars de lire, hein. Croyez pas. Et ensuite voilà, petite douche tout ça et après on se met au travail. Je vais grailler ici, après je vais partir au bureau directement. Aujourd'hui il y a des petites tâches à faire, faut préparer le prochain drop qui sera dimanche. D'ailleurs les mecs, tous les drops maintenant ça va être que des pièces de ouf. Là on vous prépare un truc de ouf ce dimanche, du coup ça sera le 20. Je sais pas si la vidéo, je pense pas qu'elle sortira le 20. Genre allez voir sur centralmontmartre.com hein. Comme d'habitude, il y a toutes les sapes, toutes les sneakers. On essaye de plus en plus agrandir la gamme de sneakers qu'on a. Mais regardez. Et là c'est chez moi, c'est pas le tout. Il y a pas mal de paires quand même. Après malheureusement les paires ça prend beaucoup de trésorerie. Et comme nous on s'investit plus dans la sap que dans la sneak pour l'instant, bah il n'y en a pas autant de budget que ça. Du coup bah on se débrouille, on fait petit à petit tu vois. Mais voilà, du coup là je vais faire mon sport directement après hein. Ouais l'équipe, du coup là j'ai fini le petit sport. Et là je vais me pencher sur StockX parce que j'ai vraiment envie de faire de plus en plus de vidéos en rapport avec l'investissement. Et donc je vais essayer de vous proposer beaucoup plus de vidéos là dessus avec genre les nouvelles paires, les nouvelles tendances etc. Là par exemple je suis sur la Dunk Low Malachi. Je vais essayer de sortir un petit truc correct, genre en termes d'investissement, si oui ou non c'est un bon hold, etc. Même si là j'ai l'impression que ça va être une belle dinguerie cette paire. Du coup bah là je vais faire des petites recherches. Je vais essayer de sortir trois paires, la Malachite, la Two Tone Grey et la Easy Stone Sage. On va voir ce qu'on peut faire là dessus, on va voir qu'est-ce qui peut être intéressant ou pas. Et voilà, on se tient au courant. Du coup là je viens d'arriver au local. Fait, tu connais. Donc là c'est encore le bordel, ça c'est un carton qu'on doit mettre à la cave et envoyer sur Vinted petit à petit. C'est des trucs à l'ancienne. Ça c'est un carton que j'ai utilisé pour ship à goutte. C'est aussi un truc à envoyer. Ça c'est quelques trucs sur Vinted. En gros là en ce moment on a vraiment changé la politique. Du coup bah genre tout ce qui va être plus classique et ce qui ne rentre plus forcément dans notre délire, ça part directement. Du coup si on donne, si on part sur Vinted. Là-bas ici vous avez le calendrier du prochain drop. Je vous en montre pas plus. Ici c'est une pile de tout ce qu'il y a à mettre en stock. Il y a eu un problème avec l'ordinateur de Théo, du coup genre on n'a pas pu mettre en stock, c'était une galère. Là ici c'est tous les stocks. Regardez cette pile. Regardez ça. Ça ici c'est les affaires du drop qui vont être lavées du coup là-bas. Là il y a quelques paires. Là des cartons de doudoune. Parfois on reçoit des faux items. Du coup là par exemple cette fausse sacoche Gucci. Du coup bah ça part à la poubelle directement. Ici encore quelques pièces. Ici ça va au lavage. Là il y a quelques box qui sont déjà prêtes. Les temps de voir pour les pièces. Et voilà. Là aujourd'hui là je vais faire quelques vidéos. J'ai investissement à faire. J'ai analysé quelques paires, là il y a du lourd. Il y a aussi une vidéo qui va sortir pour vendre sur Goat. Je pense qu'elle sera déjà disponible. Voilà, aujourd'hui il n'y avait pas grand chose. Je vais prendre une petite photo d'une paire tout à l'heure pour la mettre sur Central Montmartre. La Dunk Low Golden Rod, ça c'est carré. Et voilà, aujourd'hui niveau resell, bon, ça va pas être trop ça. Après il y a les autres qui vont arriver petit à petit au local. Il y a des petits colis à faire partir. Il y a Hugo qui s'occupe de toutes les photos, tout ça, mettre sur le site qui va venir. Et donc voilà, moi je vais tourner les vidéos et je vous reprends après. Bon, l'équipe aujourd'hui, pleut de ouf. On est encore sur les champs. Je pense aujourd'hui ça va top normalement. J'espère qu'il y a de la petite paire. J'ai pris encore les paires pour aller vendre à Wizonu après. Et la pluie, c'est bon signe pour le business. Il y aura moins de monde. Normalement, ça va comme. J'espère que ça va sortir. On verra bien. Bon, l'équipe, résumé, plus gros drop, je crois, depuis
ticket là, plus gros drop, Georgetown, Dunk Black, Harvest Moon, Meat Smoke Ray. Mon ticket il a même pas été appelé, du coup j'étais rien du tout. Là je vais aller vendre les plats, je vais me coucher, du coup il est 10h, mais j'ai rien. Et vas-y, demain ils retourneront, de toute façon c'est toute la semaine, c'est Thomas. Et voilà, hein, force à nous. Hein. Voilà l'équipe, père déposé. Du coup, ce qui est tard avec les élus, c'est que là, mon paiement, je l'aurai dans l'après-midi. Ça, c'est vraiment patate. Et demain, vas-y, on va y sortir encore. Mais bon, lentement, c'est bizarre un peu. Je sais pas, depuis que je tourne la vidéo, pas de chance, deux jours, deux fois rien. J'espère que ça va tourner. Hein. Là, je vais passer devant chez Supreme pour voir si ça va lâcher ou pas. Nike Lab aussi. Et après, s'il n'y a rien, je vais rentrer. S'il y a quelque chose, je crois que je vais rester. Mais s'il n'y a rien, je vais rentrer. Je vais monter une vidéo sur un investissement. Rien, c'est suprême. C'est fini pour aujourd'hui, je pense, les gars. Après, je vais récupérer des dunks Venus tout à l'heure. Il y a du lourd qui se prépare. Mais sinon, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Hein. Bon, l'équipe, au final, j'ai récupéré ma Dunk Black 45. Gros coup de chat, je passe devant Locker, je voyais un peu de monde. Ouais, j'y go, hein. J'ai récupéré ma petite paire, donc au final, cette matinée n'est pas si terrible. Ça, c'est un plus 100, c'est 120 chez Locker. C'est vraiment carré, mais la matinée, c'est bien fini. Voilà, là, on va bosser. Let's go. Du coup, là, c'est bon, on a mangé tout ça. J'étais en train de filmer cette petite vidéo pour la toutoune, pour l'investissement. Voilà, du coup, là, j'ai fini un peu ce que j'avais à faire chez moi. Là, je vais aller tout de suite au local, déposer quelques trucs, aller travailler. Je dois leur sortir le lookbook pour le prochain drop. Du coup, on va s'en occuper tout de suite. Let's go. L'équipe, là, je vais arriver au local. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du lookbook, du drop. On a reçu toutes les photos enfin, du coup bah là je vais gérer ça, on va s'occuper de tout ça. Et le frérot il est officiellement avec nous, donc sinon lookbook, dites-moi ça. Ça c'est disponible sur le site, tous les lookbooks seront disponibles sur le site. Je vais pas en montrer davantage, tout se passe sur centralmark.com, allez checker. Prochain drop, ça sera dimanche, on sait pas quand, mais un dimanche c'est sûr. Arrivage fou, c'est celui-là j'ai ça. Skinny jeans. Mais après c'est une petite taille en fait. Ah salvage hein. Mais je pense qu'ils le sont tous hein, regarde l'autre. Ouh, là il y a de la patate. Oui il est normal, juste la coupe elle est là. Coupe droite. Il est prêt aussi. Et clac clac, c'est pas ta patch. Au final les G j'avais carrément zappé hier, il y avait Dunk Black. Et ils n'ont pas pu envoyer toutes les paires qu'ils avaient en stock, j'ai vu là, il en restait au moins une quinzaine de boîtes. Du coup là je vais me pointer sur Rivoli et on va voir un peu à l'avance, comme ça on va voir si ça croit. Du coup j'étais sur Châtelet, j'ai récupéré Bretto et Dunk High, mais vas-y j'ai le seum, j'étais devant Footlocker, j'ai loupé ma place, j'ai trop le démon. J'étais devant, j'ai bougé au Nike et au final ça a tombé. Dunk Black, j'ai vraiment trop le seum, j'aurais pu faire une journée à 300. Mais voilà, c'est la vie. Hein. Du coup là ça va rentrer tranquillou. Hein. Posté sur les champs, mais il n'y a rien du tout aujourd'hui. Hein. On dirait que c'est mort. On va aller Châtelet là direct. Des paires, on a fait Footlocker, hôtel de ville. Il y a des gens devant nous, on n'est pas pu passer. Ensuite, Nike, Châtelet. Il y avait trop de monde. En plus, on s'est fait sauter de la liste, tout ça. Du coup, bah, genre, ouais, on n'a rien eu. On est passé en dernier. Lui, il a pris Dunk High Black. Moi, j'ai pas pris parce que j'ai déjà eu hier. En ce moment, c'est vraiment trop pourri. Oui. Voilà, bah, là, c'est déjà la fin de la matinée. Hein. Il est 11h quasiment. Ça va rentrer tranquille. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'espère manger parce que là, ces derniers temps, c'était vraiment naze. Hein. Cette semaine-là, c'était pété, on a même pas fait 200 euros. Pour l'instant. Là, on a trop mangé là, c'est une dinguerie. On était Nike Lab, il n'y avait rien du tout. Du coup là, on a toutes ces paires et là ça va direction With The New. Parce
parce que là c'est fini du coup. On va finir la petite journée tranquillement en vendant les pains with the new. Après on va bosser et après début du week-end, on va voir hein. L'équipe du coup là je suis rentré, petite douche tout ça. Je vais vous montrer comment c'était sale ce matin. Anthracite, black, 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 anthracite. Voilà, c'était la meilleure journée de la semaine. Ça s'est vraiment mis très très bien. Je pense que là ce matin du coup on a dû faire j'ai déjà listé sur Alias c'est du plus 80 parce que du coup les dunk black c'est 120 et la mid c'est 40. Du coup ça fait à peu près 200 euros de bénéfice pour ce matin. Et dans la semaine du coup on doit être à plus 300, donc c'est vraiment propre. J'aurai pas l'argent tout de suite, j'aurai l'argent la semaine prochaine, mais voilà, on finit la semaine plus 300. Demain je sais pas encore si je vais y aller, comme je vous l'ai dit ça dépendra de ce soir, mais voilà, en tout cas c'est très correct. Tu vois, j'ai fait que ça le matin, je me suis pas trop pris la tête. Voilà, c'était un peu la journée avec moi. Je pense qu'on va continuer cette journée au local avec les autres, voir un peu comment ça va se passer. Peut-être que je vais filmer aussi une partie du drop qui a lieu dimanche, toute la fin des préparatifs, etc. Et voilà, là je vais travailler avec Isaac, du coup bah, on se retrouve directement au local. Les colis, boulot, tranquillou. On voit les jeunes, 28. Là il fait jour, c'est lui qui tape les colis depuis tout à l'heure. Mon ref, la vérité, tu veux pas travailler, c'est que c'est WAM qui tape les colis depuis tout à l'heure. Mais voilà les mecs, encore aujourd'hui c'est moi qui fais les colis, quelques fois. Regardez, vous voyez, c'est ça un patron, les gars. On a les employés qui jouent sur leur téléphone. Le patron, il bosse, il fait les colis. C'est bon, tu fais les colis, frère. Eh les gars, vous dormez. Hein. Mais le patron, il doit savoir faire ça. D'ailleurs, l'équipe qui commande de la Dunklo, tout homme gray, 42,5. Merci au frérot Romain qui a commandé cette paire. Je sais pas si il guette les vidéos, mais en tout cas, merci au frérot. Hop, là sur elles sont déjà des petits checks avant qu'elles rentrent dans les stocks, donc je vais vérifier, là je vérifie juste s'il n'y a pas de défaut ou quoi. Après, je remets le papier, bon, parce qu'on n'est pas au courant. Papier, petite carte d'authenticité, et ça chip hein. Voilà, petite carte d'authenticité, boum, petit sticker, on va prendre un, même les mettre deux. Après carton double box hein. Ouais, c'est ça, chip ça. Du coup l'équipe, j'ai pas été ce matin in store parce que c'était trop chaud. En plus j'ai vu qu'il n'y a rien qui est tombé à part sur le champ, il y a des faux mouvements, je sais pas, mais voilà, c'était vraiment pas ouf. Du coup j'ai rien loupé, c'est vraiment carré. Là je suis en train de faire l'excel du coup de 1000 à 10 000, parce que donc on a fini le concours à 1000, enfin, le challenge à 1000. Donc le lundi on a cop, ou le mardi on a cop la black qui a été vendue sur Alias, et on a déjà reçu les sous, du coup on a déjà fait notre bénéfice de 108 euros. Et ensuite bah voilà, c'est celle qu'on a cop, Bretto 44, High Panda, Low Black, et ça c'était hier. Du coup voilà, bah, là on attend de vendre. Cette semaine on a dû faire à peu près 350 euros. Du coup bah, ça va me faire passer à 1350 euros. C'est vraiment cool et c'est vraiment carré. Bon là l'équipe, c'est un grand jour, c'est jour de drop. Là je suis encore en train de finir les préparatifs en étant du cry. Voilà, du coup là on fait la liste de newsletter, on est en train de gérer ça. Ensuite je vais faire la campagne de newsletter avec Clavio. Une fois que j'aurai toute la liste, je vais attendre jusqu'à 16h. À 16h je vais fermer la liste. Et du coup après je vais envoyer un mail à tout le monde à 17h avec l'accès exclusif, le mot de passe et toutes les saps du drop. Du coup voilà, il reste ça à faire. De notre côté, il reste encore quelques trucs à changer, quelques photos à modifier, des petits changements de dernière minute. Et après sinon on sera bon hein, le drop du coup 17h est reparti pour ceux qui sont abonnés, et après, ensuite 18h. Je pense qu'aujourd'hui ça va faire un gros truc, j'espère en tout cas. On va bien voir comment ça va se passer, mais je pense qu'il y a moyen de faire un gros truc, donc c'est vraiment carré. Et moi je vais vous emmener avec moi de toute façon à chaque fois qu'il y aura des petits changements. À 17h une fois que le site va ouvrir, comment je fais tout ça, et ensuite 18h pour les drops pour voir comment ça se passe. Et voilà, après ce sera la fin de la journée, tranquillou, et demain on prend la semaine. Là l'équipe, c'est une minute avant le drop. Du coup là on avait déjà lâché l'accès exclusif, pardon. Du coup il y a quelques pièces qui sont déjà vendues. Il y a des pantalons, bon comme il y a plusieurs tailles ça se voit pas. Il y a ça, il y a le Gap, Suprême, tout ça. Il y a quelques pièces qui sont vendues, il y en a 6 ou 7. Donc là après là je vais désactiver le mot de passe. Et on va voir comment ça va se passer, s'il y a du monde, tout ça. En tout cas ça fait vraiment kiffé, j'ai un bête de poste, les graphistes ils ont fait un taf de ouf. D'ailleurs on va bientôt recruter un graphiste en stage, du coup n'hésite pas à envoyer ta candidature contact@centralemarque.com. Tout ça est expliqué sur notre Instagram de toute façon, mais voilà, on va regarder tout de suite. Là on peut voir les clients qui commencent à se connecter. Actuellement il y a 95 visiteurs présents. Du coup voilà, et ici on a tous les
toutes les données un peu, là, les paiements, panier actif, paiement pro, acheter, etc. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as bien kiffé. N'oublie pas bien sûr de t'abonner, de me rejoindre sur mon Instagram perso, l'Instagram de Centrale Montmartre. J'espère que voilà, vous avez bien kiffé. Il y a une deuxième partie qui va arriver très très prochainement, donc sois sûr d'activer les notifications, etc. Tu connais la suite. Donc voilà, moi j'espère que vraiment vous avez bien kiffé. N'oublie pas le like, le commentaire. Nous on se retrouve très prochainement. Bonne soirée, bonne journée, peace.